c'est important de leur, voilà, leur apprendre les fondamentaux et puis surtout leur montrer que voilà que le tennis ça reste accessible et que voilà on est là pour s'amuser à la base. J'ai vu plein de sourires, plein de fraîcheur dans les visages et c'est vraiment très important pour moi que les gamins ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent. Après effectivement moi j'essaie de leur apprendre les règles de base pour essayer de mieux jouer et donc voilà, mais très très content d'être ici. Ouais. Moi je pense que c'est important parce que c'est d'un ça change le quotidien des enfants au sein des clubs et puis d'avoir quand même un joueur qui a été classé mondial, qu'on voit à la télé, ça motive les enfants, ils parlent de lui, ils parlent à quel âge il a commencé le tennis, comment ça s'est déroulé pour lui avant d'arriver au haut niveau. Et puis ça peut permettre aux enfants peut-être de se... d'envisager leur avenir. Nous allons organiser le prochain tournoi junior international ITF qui va démarrer du 16 avril au 23 avril. Et en organisant ce tournoi ITF junior, c'est pour nous l'occasion de donner à nos jeunes l'envie effectivement du haut niveau, de leur permettre de voir du tennis de haut niveau. Et aujourd'hui, recevoir Michael Laudra, c'est vraiment très très bien. Et c'est surtout bon pour les jeunes que nous avons à charge. Donc c'est une initiative, je trouve, très intéressante de la part de la Riviera et qui est à renouveler.